Coucou tout le monde, c'est la team Miel. Salut, t'as vu Link, il a une épée bizarre. Oui, il a une épée spéciale faite par Milu pour m'aider dans ma quête parce que je sais pas faire le bug. Et j'ai eu OK, c'est pas drôle. Bonjour, bienvenue dans la partie Ocarina of Time spéciale High Cup. Oui mais... pas durer longtemps j'espère. Ah bah voilà, t'as plus le bug. C'était nul comme façon de perdre le bug. Il a pas duré longtemps hein. Non. Tiens, t'as vu, il y a une barre là. Ah. Ah oui. C'était par là ? Oui. Ok. Ok, c'est le cas de le dire, c'est ça ? Ok. Oh. Est-ce que tu vas tomber ? Est-ce que tu vas tomber ? Est-ce que non, tu vas tomber ? Est-ce que tu vas tomber ? Est-ce que tu vas tomber ? Est-ce que tu vas tomber ? Et là, tu peux courir. Bah, ouais. Mais... Visiblement, la dernière partie m'a. T'as bouleversé. Versé, allez, Link, s'il te plaît. Tu t'es jeté dans la lave et tout, oui, en effet, elle t'a bouleversé, c'est pas grave. C'est pas le moment où il y a de la lave qui. Ouais, non, ça. Ah ! Pas de la lave, c'est du feu. Bon, t'inquiète pas, ce feu ne te tue pas. Enfin, il te fait un petit peu mal, mais c'est tout. T'as vu, il y a un monstre qui s'est jeté dans le feu, il a fait ah, je vais mourir. Lui, il a des petits cœurs et tout pour que ça fasse. Ah, c'est mignon. Bon, je pense que c'est pour récupérer la vie que t'as perdue en te faisant toucher par le monstre de feu. Ah, arrête de rigoler s'il te plaît, c'est pas de ma faute. Bon alors, toi. Non, c'est A qu'il faut faire en fait pour faire une attaque sautée. T'as vu, il y a un truc spécial là. Hey, tu sais, il y a un truc là. Elle te dit. De toute façon, il me faut la spécialité des Gorons pour le casser, non? Oui, la spécialité des Gorons. Oui, je peux pas utiliser les bombes. Bah si, la spécialité des Gorons, c'est les bombes justement. Ah bon? Bah oui. J'ai toujours cru que la spécialité des Gorons c'était l'objet du donjon. Bah non, il y en a qu'une hein. Bah oui. Bon, ça y est, des camps de flex. Ouais, ça a marché. Donc il y a une sculpture là en bas. Non. Je dois descendre maintenant? Oui. Regarde, j'ai le donjon vide. Tu vas perdre un cœur. C'est pas grave, le cœur j'en ai plein. Arrête de descendre, de monter. De... Ah, où Arrête suis-je? De descendre, de monter. Hop, oh, je l'ai encore. Tu as sauvé un ami. T'as vu, t'as sauvé un ami. Des deux côtés. Donne-moi le coffre, vite. Moi je m'en fiche de toi, c'est le coffre que je veux. Hé hey. Est-ce que le Goron il a le hockey? Non. Visiblement il a... Il a fait un petit bruit hein, quand même. C'est pas le Goron. C'est qui alors? C'est Miel. Elle. Ah Miel, elle a le hockey. Oh, tu as le hockey. Haha, c'est trop drôle. J'espère que ça va durer toute la partie. Oh non. Bon, allez. Ça maintenant, il faut que j'aille voir ailleurs parce que... Boire un grand verre d'eau, par exemple. Mais le Goron, il a menti en plus. Il dit les monstres qui dansent sont insensibles au feu, alors que justement, je les ai battus récemment avec des flèches. D'accord. Et là, c'est juste un raccourci, quoi. Oui, c'est un raccourci. Du coup, faut que je retourne par là. Mais faut que tu remontes tout. Pardon. C'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle. C'est naturel. Oui. Quand on entend le hockey de quelqu'un, on rigole. Ah. Ah. C'est normal. Ah. Aussi. Ah. En plus, moi, quand j'ai le hockey, je fais des bruits de crapaud, je crois. Ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit. Regarde, il y a quelqu'un qui m'attend. Ribbit. Vas-y, Limas, va-t'en. Ribbit. C'est un crapaud. Attends, j'ai peur, moi. Ah oui, tiens, il y a l'épouvantail. L'épouvantail, il est... Il est méchant, je lui parlerai pas. Bah, il faut lui parler. Comment tu meurs, toi, s'il te plaît? Vas-y, elle m'empêche de... Regarde, maintenant, tu tournes, regarde à gauche, là. Enfin, à droite, pardon, maintenant. Là, tu joues le champ d'épouvantail, il apparaît, normalement. Alors attends, c'est quoi déjà le chant de l'épouvantail? Je sais que c'est la berceuse des Gorons, mais c'est les notes. C'est Attends, je me souviens. Ok, c'est bon. Non, c'est à la fin. Ah oui. Oh bah elle est rapide la berceuse. T'as vu, ça va bien de faire la berceuse des Gorons ici. Oui, vous avez joué la berceuse des Gorons pour endormir tous les Gorons qui étaient déjà effrayés, tu vois, tu les as calmés. Pourquoi j'ai le feu dedans? C'est toi qui as joué avec le feu? Oui, je Et tu avec... sais que cet épouvantail, j'arrivais pas à le faire apparaître sur 3DS. Ah bon? J'ai fait le champ d'épouvantail 10 millions de fois, il apparaissait pas. Et puis au bout d'un moment, il a quand même apparu. Parce que voilà. Bon, tu me gênes là, machin. Pierre, c'est ça? Yeah. Ouais, c'est Pierre, c'est mon ton chien. Ça marche d'ici. Oui, trop cool. Ah, je monte sur une plateforme magique. Mon avis, pourquoi t'es parti?
Pour aller voir l'épouvantail et lui dire au revoir et merci. Je rappelle que le hockey n'est pas fait exprès. Ah bon? Bah on sait jamais. Pourquoi il y a un sourire? Parce que tu deviens un peu comme NCS, c'est ça? Ah. Oui, ça NCS. Marche pas là, la visée? Bah non, pas contre les sculptures alors. Bon bah meurs, hein. Si ça marche pas. Bah c'est normal, t'arrêtes pas d'appuyer dessus. Du coup tu ranges le machin à chaque fois. Le machin, oui, parce que c'est un machin. Quoi, l'objet le plus cool d'après toi, tu le traites de machin, c'est tout? J'en ai eu combien? 3 ou 2? 3, je crois, ouais, t'en as eu 3, 3, 3. 3, oui, 3. Bah oui, 2 que j'ai récupéré de. Comme ça, là. Il y en a une autre ici. Et l'autre ici, oui, je sais. D'ailleurs, je peux le récupérer maintenant, en fait, non? Oui. Pardon. Après, t'as pas besoin de. T'es pas obligé de continuer. Non, c'est juste pour des rubis, je crois. Oui. Merci! Et en bas, il y a la mort. Tu vas attraper la mort, ma fille, si tu tombes. Mais du coup, là, il n'y a que dire... Rubis, oui. Est-ce que je les prends ou on n'a pas besoin d'argent? Non, on n'a pas besoin d'argent. Ok, bon, bah tant pis. Au revoir les rubis. Si vous voulez les gens, bah... Continuez. Il faut appuyer sur le bouton et aller très vite, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça que tu descends des trucs, maintenant? Bah oui, c'est plus rapide. Où je disais, tu deviens comme Nintendo Capricorn, tu as le hockey pendant tes parties, maintenant ça y est, c'est fini. Ah, cela me laisse sans voix. Ah, titi. Où j'apparais? Oh t'es mince, tombé tout en bas. Je suis tombé. J'aurais aimé atterrir sur la plateforme. Bon. Ah, attends, j'ai ouvert une cage, je peux remonter normalement. Bah, faudrait redescendre en bas et tout. Oh. Non, c'est normal. Utilise le vent de Faror. Non! Si! Oh pu! Ah pu! Ça marche? Le vent de Faror. Mais non, le vent de Faror, je vais arriver là-haut. Oui? Non? Oui, c'est bon? Oui, tu vas remonter en haut. Tout en haut! Allez, pour la première fois de ma vie, je vais l'utiliser. Comment ça, pour la première fois de ta vie, tu n'as jamais utilisé le vent de Faror? Bah non! Bah comment ça se fait? Bah pourquoi faire? Parce que c'est Faror, c'est la meilleure déesse et tout. Non, j'utilise que le feu de Dain. J'ai utilisé l'amour de Nero. Bah, ça m'a pas ramené. Mais il faut le faire une deuxième fois. Ah, d'accord. Vous invoquez le vent de Faror. Retournez au téléporteur. Dissipez le téléporteur. Quittez. Et je dois retourner au téléporteur? Oui. Oh, attends. Hé hey. Du coup, là, faut pas que je tombe trop vite. Pour que j'atterrisse sur tomber. La plateforme. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Laisse tomber, Link. Ah. Bah non. Bon, ok. Bon, au moins t'es devant la porte pour remonter, c'est pas grave. Oui, bon, tant pis, laisse-moi. Ah oui, t'as ce magnifique passage à repasser. Ah oui, oh là 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 là. À repasser. Je vais pas tomber, parce que ce serait un peu dommage de recommencer le donjon. Oh là là. C'est éprouvant de passer une porte, ça te... Oui, ça me laisse... Pas non, pas sans voix, hein. Ça te laisse pas sans voix. Contraire, au contraire. Tiens, d'ailleurs, j'ai gagné une clé, je peux aller là-bas, moi. Une clé? Une clé. Ah, une clé. Oui, mais non, pas maintenant, il faut une deuxième clé. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, là, j'ai entendu fée et tout. Mais tu sais, j'ai fait le bug pour avoir une cinquième bouteille. Oui. Mais si tu mets une fée dedans, dans cette fameuse bouteille, si tu meurs, elle réapparaîtra, elle viendra pas te soigner, la fée. Oh, la vilaine. Mais alors du coup on peut mettre quoi? Juste des boutons, des oui, poissons. Oui, tu peux quand même mettre une fée et la sortir toi-même de la bouteille, mais elle te viendra pas te soigner si tu meurs. D'accord. Non mais pas la visée. Voilà, si tu veux maintenant, voilà, meurs, die. Au revoir. Allez. Voilà, c'est bon. Vas-y, ma potion elle est par terre. Ma potion. Bon, faut que je continue par là. Là, sur le bouton, je peux sauter ou c'est trop loin? Tu peux sauter. Yaaaaaah. Je crois que j'ai raté. Et là, mon vent de Faror, il va marcher. Oui. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, la lima, ça le redonne de la magie, parce qu'ils sont trop prévus chez Nintendo. Okay. Ils se sont dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber, comme ça, on va... T'as vu, Link, il va freeze. Je suis déconcentré par mon hockey, en fait. T'as vu, Link, il a freeze. Mm. Mais il cligne quand même les yeux, parce que Link, il est cool. Ok, c'est parti. Bon, oui, limace... ok, c'est le cas de le dire. Arrête, c'est bon. Mais non. Arrête! Eh non, mais c'est nul! Là, j'enchaîne les parties où c'est n'importe quoi!
C'est pas grave. Ça fait combien de minutes déjà que je joue? J'ai rien fait pendant 11 minutes. C'est pas grave, moi. J'ai récupéré une clé. Non, t'as récupéré deux sculptulas, c'est pas rien. Non! Oui! Oh, une grosse magie. Ah ouais, il me semblait bien que c'était que dans Majora's Mask que la grosse magie, elle te donne toute ta barre. Donc là, si je pars d'ici, c'est bon, normalement. Oui. Vas-y, roulade au cas où. Bah, oh, on peut faire des roulades, ça fait que le truc va plus loin. Ouais. Donc là, le truc, il me dit d'aller là-bas. Non, mais Navi, me fais pas des frayeurs pareils. Mon dieu, là elle s'est transformée en vélociraptor. Là elle t'a un dent enchante. Ah non, mais le hockey ça rend fou les gens. Mais c'est bon, là c'est bon, t'as fini ton hockey, il est parti, il est mort. Bon, ok. Tu l'as fait exprès. Hein. Là tu vois, là on est en train de tourner une scène comique dans une comédie japonaise, c'est ça. Hein. À vous tout là, c'est bon. Non, mais non. Mais... Tu vois, notre secret a été révélé en fait. On est Hamada et Matsumoto tous les deux. Allez, Dai. Non, ma magie elle est à moi, la grosse magie là. La grosse magie. C'est toi qui dis la grosse magie. Oui, quoi. Mais je me suis trompé. C'est bon, pas besoin de te moquer de moi. Vas-y, fais une roulade. Mais je sais pas, c'est quoi ce réflexe de vouloir faire une roulade? Moi je fais des roulades à chaque fois quand je fais un saut. T'as vu, elle a voulu m'attaquer, la grosse magie. C'est pas une grosse magie, elle, c'est une limace et tout. Une grosse limace si tu veux, mais pas une grosse magie. Oui. En fait, là j'ai le hockey toujours, mais il fait pas de bruit, il fait plus de bruit, il est gentil. Hein, c'est parce que je comme je parle, j'ai la bouche ouverte, du coup, ben quand je fais le hockey. Voilà, donc on va voir la grosse limace qui m'embête là. Va-t'en s'il te plaît. Non, c'est bon, je peux passer. C'est pas un... C'est bon, ça va aller. Non, vise pas, Link. Tu vas retomber par terre bêtement. J'avoue que t'étais tombé une fois de façon épique. Regarde la pauvre, elle fond et tout, et elle a disparu. C'était. Pourquoi tu l'as récupéré? C'était une façon de tomber digne de Start New System. Non, je plaisante, désolé. Et il est où, Goron? Bah, il est parti, hein, mais, il avait mal. Mais il m'a pas parlé. Il m'a pas parlé. Bah oui, forcément, t'es tombé par terre, alors le Goron, il voulait plus te parler. Oh, mais le vilain. Il m'a même pas donné son conseil. Non, mais de toute façon, à partir du moment, je crois qu'à partir de lui, de toute façon, il donne plus rien, il dit plus rien. Mais j'en ai rien à faire, il devait me parler et me remercier. C'est un gros méchant, ce Goron. C'est pas gentil. J'aime pas la musique de ce temple, on dirait la musique du temple de l'ombre. J'avoue, j'y ai pensé, hein, une fois quand j'ai fait le jeu, je me suis dit, tiens, la musique du temple du feu et du temple de l'ombre sont beaucoup, beaucoup, beaucoup similaires. Tiens, d'ailleurs... Ça m'a fait peur de parler du temple de l'ombre, j'ai plus le hockey. Ah oui, c'est vrai que quand on a le hockey, qu'on fait peur. Si tu veux, je peux te faire peur encore plus, hein, histoire de non, merci, de, vraiment, de vraiment s'assurer que ton hockey est parti. Alors, tu te souviens, dans un live... Non, mais c'est bon. Je sais plus le hockey. Donc, je repasse par là. Ouais, Link, t'es trop cool. Allez, on saute. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu voulais parler de l'archer. Non, mais ça, c'est pas important. Attention! Rien lui résiste. On monte comment, ici? En sautant. Ici? Non. Remonte. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je remonte. Mais non, mais... Tu peux plus. Faut que tu... Voilà, faut partir de là. Non, c'est bon. Eh, toi, tu me fais pas mal, s'il te plaît. Merci. Bon. Comme ça? Ouais, Link, il est trop cool. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça, je me souviens en fait. Je parlais du temple du feu. Mm-hmm. Et la musique du temple du feu, elle est différente dans la version 1.0 japonaise. Et du coup, en fait. C'était une salle qui servait à rien. Oui. C'était une salle qui servait à rien. Oh, j'aime pas cet endroit. Et tu veux repartir déjà? De toute façon, c'est bientôt la fin de la partie. Alors. Et du coup, Nintendo a changé la musique. Attends, je commence par la gauche ou la droite? Je sais plus. Bon, allez, on va par là. Et du coup, Nintendo a changé la musique dans les versions futures et européennes de Twilight Princess. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appuyé sur le stick par réflexe. Ah, c'était pour beau. Changer la caméra. Ah, c'était beau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Non, mais en fait, je voulais changer la vue, alors j'ai utilisé le stick, sauf que le stick il a signé aux items, alors du coup voilà. La musique a changé, et oui, c'est là qu'il faut que tu utilises la clé. Oui, je sais. La musique a changé, et. Arrête, Link! Et est devenue, cette musique là, parce que il y avait. Ça ressemblait trop à un chant islamique, c'était pas bien. Oh, elle est gentille!
Voilà. Bah et toi qui aimes le feu, pourquoi tu n'aimes pas les labyrinthes de feu? Si si, je l'aime bien ce labyrinthe, mais c'est parce que il est un peu fourbe celui-là. Bon. Là il y a un goron. Ha 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 ha. Mais tu trembles en plus. Bah oui, il tremble les gorons. Oh le pauvre. Ils ont peur de se faire manger par Vulcania. Bon. Bon là Vulcania, je sais pas comment elle compte manger les gorons parce que s'ils sont enfermés et ils sont. Mais j'ai fait le tour. Oui. Justement, parce que tu pouvais pas faire le tour avant. Regarde, il y a le feu. Ouais, eh bah dis bien. Donc, le beau seigneur. Il me donne des cœurs, lui. Même pas. Quoi? Mais pourquoi? Bah après l'avoir assassiné comme ça. L'assassiné mortellement. Je ne pense pas que le monsieur a envie de te donner de l'argent. C'est pas Adonir qui miaule là-bas? Je sais pas. C'est bizarre. Faut appuyer sur le bouton et se répéter, mais je crois qu'il a un temps limité, alors je vais faire mon chemin. C'est pas par là. C'est pas sur le côté non plus, je suppose. Non, non, en fait, il faut que... Bon, attends, je t'explique le bon chemin. En fait. Non, mais je vais le trouver, regarde. Ouais, c'est bon, t'as trouvé le bon chemin, t'es trop forte. C'est tout? Oui. Tiens, tu t'imaginais quoi? Le temple du feu, c'est pas difficile, hein? On joue à Zelda. C'est le temple du feu le plus facile. Le temple du le plus facile du jeu, quand même. Bon, vas-y, donc tu me laisses le temple le plus facile parce que je suis une fille, c'est ça? Ouais, exactement. D'ailleurs, la carte ressemble un petit peu à Pac-Man. À Pac-Man. Bah oui. Non, c'est une grosse chenille. Bah, attends, ça fait combien de temps qu'on joue? 17 minutes. Attends, il y a un truc spécial là derrière la porte. Ouais, il y a un truc spécial, regarde, ouvre la porte quand même. Bah, je sais pas, j'allais. Ouvre la porte quand même. Oh. Allez, allez. Vite, fuis. Ah. Mais ça se tue avec la spécialité. Non. Oui, la spécialité des gorons. Non, mais c'est bon, ouvre pas la porte derrière, oui. Un truc bah attends. Spécial. Tu meurs, hein. Ouais. Voilà la vraie porte. Elle est pas plus belle, hein. Ah non, mais elle est suspecte, cette porte. Hein. L'autre, elle était normale. Elle est suspecte. Là, je suis désolée. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, c'est une partie riche en... Encore une partie riche en émotions, comme tu aimes si bien le dire. Une partie riche en émotions avec... se prépare, là. Avec Lael qui avait le hockey et Lael qui a eu une petite frayeur à la fin. Il était belle, ta frayeur. Ah non, mais j'en ai les larmes aux yeux, tellement je ris, je pleure, je fais n'importe quoi. Bouh. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.